Dans les vestiaires, comme tous les matins, Vincent Descombes remit sa tenue de ville au placard. Pas question pourtant d'aller faire du sport. Ce pantalon gris, c'est sa nouvelle tenue de boulot. Vous allez comment au bureau ? En costume cravate, figurez-vous. Avec des chaussures italiennes, très sympa. Donc c'est un changement de style et un changement de métier. Et ça vous manque pas, les chaussures italiennes ? Non, pas du tout. Non, non, je préfère les tongs, en fait. En venant ici, Vincent n'a pas seulement changé de costume. Il a aussi changé d'instrument de travail. Après les vestiaires, direction l'atelier. Et là, pas de clavier ni d'écran d'ordinateur. L'outil principal ici, c'est le chalumeau. Parce que là, avec les coups, ça fait comme... Enfin, voilà. Je chauffe, du coup, ça bouge et ça tombe. Et pour le tenir, vous avez une solution ? Voilà 9 mois que Vincent apprend le métier de plombier dans ce centre de formation. Les tuyaux et les soudures, il aime ça. On ne sait jamais, mais bon, ça c'est... Je découvre un nouveau domaine que j'adore d'ailleurs. Je me passionne vraiment pour la matière, le cuivre, l'acier, le chalumeau. Ce qui résume un petit peu ma reconversion, c'est ça, c'est une satisfaction personnelle et le résultat est là. Le chalumeau, pour Vincent, c'est pourtant une vocation tardive. Il y a encore peu de temps, il faisait de la formation informatique chez Peugeot. Un métier qu'il ne trouvait pas épanouissant. Quand on rentre le soir avec sa famille, les filles me disent « Alors aujourd'hui, papa, qu'est-ce que t'as fait ?»« Ben, j'ai fait du tableau Excel, j'ai fait du PowerPoint, enfin bon... C'est difficile d'expliquer qu'on a passé 5 heures en réunion avec des gens qui, la plupart du temps, s'en foutent. Bon, voilà. » Alors, quand son entreprise a lancé un plan de départ volontaire pour réduire ses effectifs, il a sauté sur l'occasion. D'autant qu'il est parti avec une prime de licenciement, sa formation en partie payée et son salaire versé pendant 6 mois. De bonnes conditions. Hey Bernard, à demain. Bonne soirée. Mais surtout, ce changement de job rime aussi avec changement de vie. Le soir, après le boulot, il peut sauter dans sa piscine avec sa femme et ses enfants. Fini la banlieue parisienne, ses embouteillages et ses appartements tout petits. Fini la grisaille, vive le soleil de Toulouse. Donc j'étais bien contente de revenir dans le sud. Et après, non, costume cravate ou bleu de travail, peu importe, tant qu'il y a un travail et surtout que ça lui fait plaisir, voilà, ça rendra tout le monde plus heureux. Un job plus épanouissant et une plus grande qualité de vie, Vincent a juste réalisé le rêve que partagent aujourd'hui de plus en plus de Français.